Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media Now. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci en pile parce que avec nous dans l'ESA sur Télévision Nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mis au point. N'après le matin, regardez accord politique largement large, structure politique ça qui peut être non, place pas proposer le pays. Nous allons regarder qui ça quand dans, pour qui ça au quoi accord ça nécessaire aujourd'hui et qui ensemble d'étapes quoi que mérite franchi, bon côté acteur politique, bon côté acteur dans la société civile pour nous arriver à joindre accord ça. Parce que j'ai l'impression chaque groupe gagne ça on a souhaité que fait, on a parlé de la souyo. Tout le monde pense que c'est une solution par et qui pourrait arriver à atterrir. Et dans ça, là, rien pas jamais capable d'avancer. Pour le ministre Ariel Henry, lui-même, dans la dernière rencontre avec la presse, il a souligné qu'il continue à prendre bâton pèlerin pour la rencontrer avec Théo dans la perspective d'accord politique. Ça. Alors, place par lui-même, quoi faut que c'est un accord largement large, qui s'accorde dans l'accord ça. Qui j'ai au quoi dépassement capable de faire bon côté acteur, dépassement ça fait longtemps que le monde a souhaité que faire mais pas jamais fait, pour que ça au quoi c'est jeudi à capable de possible. Entre temps, il y a des acteurs au niveau de la société civile qui ont même quoi faut que tu as gagné ça au Conseil national de transition. C'est Conseil national ça pour t'as choisi Premier ministre, président provisoire. En tout cas, nous pouvons là, mais c'est ça qui a parlé, c'est ça qui a agité la société. Hein. Mais avec le professeur Dieudonné Lérisson, nous prenons le matin, hein, comprendre position principale, nous prenons comprendre qui sa proposition principale pour le pays dans un contexte assez difficile après l'assassinat du président républicain 6-7 juillet qui s'est passé là. Professeur Lérisson, merci en pile parce qu'on est disponible pour le matin. Bonjour Serginho Ondor. Bonjour à toutes les téléspectateurs, les spectatrices de la télévision nationale d'Haïti. Mettez en ordre là, nous saluons nous. Nous saluons direction, alors, direction générale de la télévision, hein, toute équipe technique, nous saluons. Tout est même directeur parti, place pas, parti national, secteur populaire haïtien, capitaine de Mola. Nous saluons tous les dirigeants parti dans tous les 10 départements pays et dans la diaspora. C'est un plaisir pour nous, avec le matin, dans l'émission mise au point. Parfait. On a parlé et Martin Bonsolution, c'est quelques jours après l'assassinat, président républicain Jovenel Moïse. Donc on est parti place très proche du président Moïse. Ça veut dire qui ça, quelques jours après l'assassinat du président Jovenel Moïse, jusqu'à présent, pour regagner trop d'informations sur qui monde, sur qui groupe monde qui t'a derrière ça passé. Justement, c'est génial, donc nous-mêmes n'a parti place pas. Tout comme tout haïtien, tout comme nous-mêmes qui avons fait émission là, nous croyons que nous sommes tous indignés devant l'assassinat tragique, assassinat contre qui nous sommes dans le cas de nos présidents. Un exercice, la chambre la Kaili, ils torturé, ils ont massacré, ensuite ils ont assassiné. Nous ne participons pas, nous croyons que l'assassinat du président Jovenel Moïse est inacceptable, est intolérable. Et faudrait-il que, quel que soit côté un acteur ta positionnel, sur l'échiquier politique là, dans la société civile là, quel que soit le secteur, nous quoi je dis, nous
doit prendre engagement qu'un acte criminel comme ça pas jamais produit dans le pays encore. Mais vous avez un engagement, il faut qu'une enquête faite. Comment la réaction ça fait nous-mêmes, dans le parti de l'OSPA, dès le début, nous exigeons une enquête internationale. Nous apprécions, nous applaudissons l'effort autorité haïtienne a fait pour joindre des informations qui sont fiables sur l'assassinat du président. Et jusqu'à présent, les circonstances qui entourait assassinat président aurait été des mystères. Un seul constat que nous faisons, président assassiné. Nous avons gagné des tentatives qu'a faites pour faire enquête. Nous n'avons pas de place pas, nous croyons. Son président qui est assassiné dans la région, un président en exercice, nous réitérons appel nous, n'avons pas de place pas, à une enquête internationale. Pour qui soit quoi cette enquête internationale qui a des résultats? Pour identifier les auteurs intellectuels, les co-auteurs, les complices, et quel que soit dans le camp, un acteur politique t'a campé, si on pas fait une véritable mobilisation pour résultat enquête sur assassinat président Jovenel Moïse, pour tout le monde connaît, il n'y avait pas grand monde qui examine le pays. Mais pour évoquer l'émission, il y a le DCPJ qui a pu avancer, il y a un parquet Port-au-Prince et qui a une toile plein sous le dossier. Est-ce que c'est un mot que vous ne pensez pas, ne pas faire en citer ça en confiance? Nous applaudissons effort autorité haïtienne nous a fait. Nous applaudissons l'effort commissaire gouvernement a fait. Nous applaudissons l'effort que la police judiciaire a fait. Mais nous disons dans le parti de pas, nous exigeons une enquête internationale et nous demandons pour gagner des experts internationaux qui accompagnent l'autorité haïtienne dans le cadre d'enquête sous assassinat président Jovenel Moïse, je dis à qui tombé à cause de conviction, il tombé à cause classe sociale, il tombé à cause combat que l'étape menait pour mon qui plus vulnérable dans le pays. Si vous avez un cap sur vous, vous avez un parti de l'espace par faire institution haïtienne de confiance qui fait que le coffre international là, vous avez un droit dans l'enquête ça. Ce n'est pas propre. Bon, de toute façon, nous tous connaissons que nous avons l'État qui est faible. Et si nos institutions, elles sont très faibles également. Crise politique, crise instabilité politique, affaiblit l'État, affaiblit l'institution. Nous quoi, je dis, il y a des efforts qu'a fait, mais dans la partie de l'espace, nous quoi, efforts ça, ils sont insuffisants. Il faut qu'il y ait des experts internationaux. Son chef l'État
qui est assassiné dans la région. Hein? Jusqu'à présent, les circonstances qui entouraient l'assassinat du président ont été des mystères. Parce que pas gagné. Yon agent de sécurité qui était la caille président qui blessait, suivant l'information qui est disponible, son chef d'État qui a assassiné dans la région. Les pays dit amis d'Haïti, ils devraient aider le peuple haïtien. Pour peuple haïtien jouer justice. Vous avez tout de Paul qui a parlé comme quoi c'est des gens qui ont entourage président, bien ta proche président, t'as un pouvoir, mais t'as comme ça passé. Dans le discours de Mme Moïse, dans le funérail, il précisait le président est trahi, le président est abandonné. Donc pour un monde qui passe dans pas qu'à trahir, on ne pas proche, pas qu'à trahir. Est-ce que ce n'est pas ça pour ce papier pour nous qui avons l'enquête ici, pas t'a influencé les résultats de l'enquête là, qui fait une coiffure internationale là, rentrer dans la logique là. Bon prêtre catholique pour le père qui dit qu'il me dit c'est rat caille qui ne mange pas caille. Qui positionne sur ça? Nous dit, dans le parti de l'ASPA, circonstances qui entouraient l'assassinat de Jovenel Moïse là, c'est des mystères. Dans la chambre, il n'y a pas aucun agent de sécurité qui est dans l'environnement qui est égratigné. Il n'y a pas de coup de zame qui tire. Comme nous-mêmes, dans la partie blanche, nous reconnaissons que l'État a fait, nous reconnaissons l'institution qui a fait, c'est vrai que la police a fait des efforts, c'est vrai que le commissaire gouvernement a fait des efforts, n'a persisté son chef d'État qui a assassiné dans la chambre Kaili. Dans la région, ne pense pas quoi. Il faut qu'une enquête internationale. Pendant que l'autorité haïtienne a travaillé, nous demandons qu'il y ait des experts internationaux qui pourront accompagner l'autorité haïtienne. Parfait. Mais il y a un cas qui dit, monsieur le ministre, la situation ça nous produit, le contexte côté pays qui connaît, et massacre de l'Est, et soleil, et patrouille de l'Ouna d'Elma 32, et militaire politique, et métier du clair, journaliste Diego Chal, un pilote qui perdu la vie. C'est le contexte ça, ça va nous passer. Il y a un qui me dit que, alors c'est peut-être parce que le président Moïse, par rapport avec toute sa passion dans les décisions, pas de plan, de deux choix, pas de faire pour renforcer la justice, qui fait que jeudi, à l'arrivée, j'ai arrivé et c'est nous-mêmes qui touchons. Qui sont comme dit sous ça, sont nous réfléchis comme ça? Saginio, nous avons un pays côté que toute histoire nous est caractérisée par des conflits. Des conflits stériles. Des conflits de chapelle. Et vous savez que les conflits ont des coûts énormes. Et c'est, les conflits ont toujours occasionné des assassinats politiques. Les conflits ont occasionné l'injustice sociale. C'est les conflits qui ont occasionné toujours les massacres. Massacres. Ouyel Vaillant. Massacres. La Syrie. Massacres. La Saline. Massacres. Delma 32, vous ne citez ça seulement. C'est ça que fait.
nous-mêmes dans la partie place pas nous quoi. Nous venons au niveau du pays. Faut que chita balé. Sans quoi nous allons vers l'effondrement. Vous voulez dire là non? Gonti chance toujours. Mais ça qui est plus grave, nous prenons vers l'effondrement parce que la crise haïtienne, nous tous disons, il vient d'un plafond. La crise haïtienne a atteint son apogée. Jacques Femme dit ça, nous descendons plus bas. Descendons plus bas, c'est vers l'effondrement. Son chef de l'État, lui, un marchand de la caille, lui, il a torturé lui. Casse cou, casse bras. Nous sommes en 21e siècle. Nous ne sommes plus autant de la barbarie. Je dis à ce junior. Nous connaissons ce conflit. Qui toujours caractérise l'histoire nous, qui t'a occasionné l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines. C'est environ 5 chefs de l'État qui ont assassiné sous pouvoir. C'est les conflits de chapelle, les querelles c'est les querelles de chapelle. Acteurs politiques, acteurs économiques, même société civile. Il n'y a pas eu de chita pour rendre entente sur tout ça comme mésentente, pour rendre accord sur tout ça comme désaccord. Mais je vous dis que c'est le résultat de mauvaise gouvernance qui fait que, pendant les années sérieux, qui fait que l'arrivée côté l'UVA, au chef de l'État assassiné, que les gens l'assassinent. Écoute, nous tous connaissons, Haïti lui souffrit. De la crise, de mauvaise gouvernance. Mauvaise gouvernance, c'est conséquence, crise, instabilité politique chronique. C'est mauvaise gouvernance qui, à la base, de injustice sociale, de écart de richesse. C'est mauvaise gouvernance qui, à la base, violence, insécurité publique. Mais si nous pas décidé chita, et bien, on a continué à assassiner chef de l'État sous pouvoir. On a continué à assassiner des militants politiques tant que Neti. Nous Matissan, nous Fontanara, Jodia, ils ont tout quitté Caillou. Et si nous ne décidons pas Chita, Chita parlé, pour vider le potentiel historique, pour résoudre le problème politique, là, c'est pour question société civile diminuer une telle proposition. Non. Depuis c'est un camp qui baille une proposition, c'est une proposition intéressée. Nous parlons de l'autre et puis nous faisons ça. Mais pour son solution, est-ce que nous qui sommes partis politiques qui étaient proches du président Moïse, qui t'a suivi la réalité, la situation, notre gouvernance, etc. Est-ce que vous estimez ça que le président Moïse a fait prévisible dans le nouveau pas? Bon, dans l'état pays là, crise, instabilité politique que la ville là, pas gagné que le cas écarté. Mais, arriver assassiner un président dans la chambre de la Cali,
ça inacceptable ni intolérable. Et nous clair, mais Jovenel Moïse passe 4 ans, 4 mois, 29 jours, c'est nos gourmets et nos batailles cultées. Parce que Jovenel Moïse témoigne des dossiers que aucun autre président n'a pas de courage pour témoigner. Jovenel Moïse témoigne de ses courants. Jovenel Moïse témoigne de dossiers Routio. Eh bien, on sait que toi qui n'as pas pardonné pour ça. Jovenel Moïse dit que aucun pays n'a pas développé sa route. Aucun pays n'a pas développé sa courant. Demain là, je dis à effort que Jovenel Moïse te fait son pouvoir. C'est vrai que il y a des problèmes que le pape, arrive moyen, problème grand groupe peuple là. Mais soit la grandesse qu'il y a, mon grandesse bénéficiaire, 18 ans de temps courant. Il est toujours comme ça? Bon, il était pour vérifier, moi-même, mental dans la grandesse, mon grandesse bénéficiaire, ça vient environ 8 mois. Comme c'est un journaliste équilibré, ou c'est un journaliste qui impartial, ou quand même anti-enquête, Jovenel Moïse tombé parce que l'État dit tout haut. Ça, on banne le président et qu'on dit tout bas. Malheureusement, il y a des bagailles que le pape, il y a des bagailles qui étaient échappées. Est-ce que vous bataille ça encore, M. le président, votre manière de solution? Est-ce que vous avez le support de sa famille politique quand même? Bon, jusqu'à moi-même, m'a répondu pour. Parti place pas. Tout le monde connaît que c'est un parti qui s'est allié au régime. Là. En dépit de toute critique que nous avons toujours gagné, face à la sous certains dossiers, mais nous-mêmes, nous avons toujours été cohérents. Les présidents font des bagailles qui sont correctes. Nous applaudissons. Nous avons toujours demandé au président Jovenel Moïse pour le fait de dialogue inter-haïtien, un cheval de bataille pour lui. Malheureusement, il n'est pas arrivé à concrétiser le dialogue inter-haïtien, qui c'est la voie unique, la seule voie qui a aidé à résoudre la crise haïtienne. Qui conséquence que ça a capable de sur Haïti si nous pas arrivé fait lumière sur ce qui est passé dans le 6 pour le 7 juillet. Moi-même, je crois que résultat enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, si résultat ça bafoué, la grande pile conséquence sous nation haïtienne. La grande pile conséquence sous nous comme peuple. Et je dis,
Haïtiens ont commencé à garder nous très mal. Dans le niveau de l'autre nation. Assassinat du président Jovenel Moïse sont un vilissement lié pour la nation haïtienne. Et que c'est ça que fait. Nous exiger, nous recommander, nous encourager autorités haïtiennes, notamment les responsables de l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, ISPA, papa ti place pas mandé pour patrimonialiser la résidence du feu du défunt président Jovenel Moïse, parce que Haïti gagne un problème de mémoire historique. Nous pas de trop d'informations sur mémoire Jean-Jacques Dessalines. Nous pas de trop d'informations sur mémoire Vinmoy Guillaume Sam. Sur le compte. Parce que mémoire historique est quasi inexistant. Et ça fait, dans le parti place pas, nous demander pour ISPA prendre des dispositions pour patrimonialiser la résidence du défunt chef de l'État, lâchement assassiné le 7 juillet dernier. C'est justement pour génération future, ils sont capables de connaître. Des histoires sous assassinat Jovenel Moïse, qui côté a été assassiné, dans quelles circonstances, et qui ça Jovenel Moïse t'a porté comme revendication, ça t'a porté comme rêve, ça t'a porté comme vision. Parfait. Donc, il est important pour nous préciser. Vas-y. Au fait de résidence Jovenel Moïse là, il y a un lieu de mémoire. Côté que pour exposer, par exemple, bon jeune qui conduit dans le pied président, plume qui était comme signé, abaco qui était comme mettait sous l'io, chemise qui était assassiné avec là. Veste qu'on mettait pour exposer tout objet ça dans le lieu de mémoire ça. Et parti plus pas, je dis même, pour adresser une lettre à responsable hispano, ministère de la culture, pour nous produire officiellement de Manza. Parfait. Alors, je vais vous rappeler, monsieur le son, papa pour nous, nous avons l'habitude de la quête se poursuit. Ce chapitre TV, j'en ai pour Dominique, la ville de Moule, jusqu'à présent, Pierre, par exemple, comment ça a été passé, qu'est-ce qui dérange ça, pour que ça a été fait, et donc pour notre camp qui commet, pas trop loin, nous, là, M. Dorval, je dis à mon président Jovenel Moïse, qui sont quoi là, qui t'a mérité fait, pour que nous parlions de la quête se poursuit, le cas du président Jovenel Moïse. C'est ça que fait. C'est ça que fait. Serginho, parti plan spa, exiger une enquête internationale. Nous certains, c'est les pays dits amis d'Haïti,
les pays dits amis du peuple haïtien, nous certains, si pays ça a une volonté, résultat enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse là, peuple haïtien a connu, tout le monde a connu. Est-ce que vous avez des obstacles? Il y a des obstacles que nous avons surmontés, il y a des obstacles que nous avons retirés pour justice capable de faire tout le monde sur le dossier et celle-ci, c'est du hier. Dans la minute que nous avons parlé là, nous croyons que la communauté internationale là sont acteurs importants dans la résolution de la crise haïtienne. Parce que assassinat président Jovenel Moïse là, il largue Haïti dans la confusion la plus totale. Et l'assassinat président Jovenel Moïse là, presque mettait acteurs politiques autour de lui. Pendant le passé 4 ans, 4 mois, 29 jours, il y a Goumen où il était jeté président. Mais finalement, il a assassiné Kounia, c'est Goumé à Goumé sous sa président. C'est Briganday qui a fait sous sa président. Mais que assassinat président Jovenel Moïse là, parce que mettait tout acteur politique, acteur de la société civile là, tout lui. C'est ça que fait, dans le parti PLASPA. Nous croyons son accord politique largement large. Justement, cela nous va arriver là pour son élection, accord politique largement large. Ça fait longtemps depuis le président de l'Université là, nous sommes plusieurs fois parler de l'accord politique ça. L'accord politique qui n'a jamais pris en essence, soit l'accord politique qui n'a jamais atterri. Je dis encore, retournez à la charge, je dis c'est un accord politique, on était de elle largement large. Qui compte nous à quoi ça a donné aujourd'hui? Je dis, nous gagnons un pays qui plongeait dans la confusion la plus totale. Ça, peuple, ça nous-mêmes, nous vivons comme haïtiens, comme réalité politique, comme réalité sociale, réalité économique. Depuis le pays, ça existait, nous ne pouvons jamais connaître, nous ne pouvons pas connaître les haïtiens qui vivent. Ça va vivre là. Nous avons un pays aujourd'hui des haïtiens viennent de réfugier dans leur propre pays. Nous avons un pays aujourd'hui, c'est les civils armés qui ont fait la loi. Nous avons un pays aujourd'hui. Quel que soit secteur où appartenu, secteur économique, secteur religieux, secteur politique, élite intellectuelle, pas aucun monde qui est en sécurité. Chaque haïtien en danger aujourd'hui. Nous avons une société qui est polarisée. Je dis, il y a une nécessité pour que les acteurs, les membres de toutes les confessions religieuses, l'Église catholique, l'Église protestante, vaudou, toutes les confessions religieuses doivent impliquer dans le dialogue. Ça. Le secteur économique.
c'est pas au quelconque secteur, non, le secteur économique dans sa globalité doit impliquer. La classe politique, que c'est des leaders politiques traditionnels, que c'est des leaders politiques qui ont émergé, faut tout impliquer. L'université, d'ailleurs, je le dis, nous sommes la seule société côté que politique là, pas utiliser l'université. Hein. Les gouvernants n'ont pas utilisé les universitaires pour acheter l'idée. Dans tout pays, c'est même l'université pour acheter l'idée, pour vendre l'idée, pour résoudre le problème. Il faut l'université en tout présent, il faut le marquer présent, c'est tout. De toute façon, l'université d'État d'Haïti existe. Il faut faire une proposition, tout. Je dis là, il n'est pas en question que chaque secteur a fait une proposition. Il n'est pas mené nulle part. C'est pour tout secteur réuni. Nous dit toutes les professions religieuses, le secteur économique, la classe politique dans sa globalité. Pas question où tu es passé 4 ans ou bien 10 ans où tu as gommé contre le régime qu'il a. Le secteur politique dans sa globalité, que ce parti qui réclamait de l'opposition, que ce parti qui réclamait de post régime Gila, a noté que il n'y a pas eu de révolution. Pas de révolution faite en Haïti. Ce n'est pas deux présidents Jovenel Moïse qui l'ont poussé sous pouvoir. Ça assassiné, et ceci lâchement. Tout ça, on va discuter sous table ça là. Eh bien, on va discuter de l'avenir d'Haïti. Comment assurer la continuité de l'État? Comment rétablir l'ordre républicain? Qui vient pour nous monter un projet de société côté que principale aspiration peuple haïtien doit exprimer la donne. En 1993-1994, la République dominicaine peut vivre des moments qui sont aussi cruciaux que nous-mêmes en Haïti. Mais c'était un dialogue interdominicain. Tout secteur confondu. Nous tous rappelons-nous le problème qui était gagné entre l'équipe de Balaguer et l'équipe de Peña Gomez. Mais tu as dit dépassement de soi que tu fais. Toute société. C'est une conscience qui était agitée au niveau société dominicaine. Et ils ont tout choisi Chita. Ils ont monté un gros projet qui était relé, qui était titré la volonté du peuple dominicain. La volonté de la nation. Ok. La volonté de la nation dominicaine. Ils ont monté un projet sur 25 ans. Et c'est ça qui fait, je dirais, la République dominicaine de nos pays émergents. Mais est-ce qu'Antoine Léo estime suffisamment conscient pour Chita ça, qu'on ne peut pas y arriver à faire tout le monde? Je dirais, il n'y a pas de choix. Oui, vous me dites. Si il n'y a pas choisi Chita, il y a tombé dans la poubelle l'histoire et peuple haïtien a battu la justice. Oui, mais regardez, acte clair, vous êtes toujours là.
si tu as parlé ça, plus fort, on a toujours demandé de temps en temps, mais on n'a pas jamais de fait. Pour nous, on a continué à dire à M. Damien Braille d'accord fait. Je dis à moi, certain, grand pile acteur politique qui souterrain, l'assassinat du président Jovenel Moïse frappé. Et assassinat Jovenel Moïse, j'en fait là, moi, certain, grand pile acteur qui commençait à changer de comportement. Mais puisque c'est 20 jours après, jusqu'à présent, ou par exemple, car une véritable proposition, c'est monter des sangs, une pile d'agiversation, une portation. Pas gagné aucune proposition, aucun secteur capable d'aider à résoudre la crise haïtienne. Au contraire, il parle conduire nous vers l'effondrement. Mais faut le groupe de l'évolution par exemple, vous n'avez sous table pour voter le groupe de groupe. Et bien que toute proposition vienne sous table. Tout secteur saoudien a dit à Koutou que vous venez avec sous table. Sauf que, nous mettons d'accord qui nous a choisi qui pour jouer le rôle médiateur. Qui pour jouer le rôle mi-temps, je vais être là. Je dis à. Gardez, au gouvernement qui là. Gouvernement ça pas capable, mais ça, gouvernement ça là. Tout le monde connaît que Ariel Henry, le docteur Ariel Henry, son personnalité très consensuelle. Mais malheureusement pour lui, gouvernement que l'a dirigé là, pas qu'à mener le pays là, vers la paix. Ça fait ça. Parce que son gouvernement anticlique, c'est un gouvernement deux ou trois partis politiques. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Nous-mêmes, dans le parti politique, n'est-ce pas? Nous croyons dans la démocratie politique. Nous croyons que c'est à travers l'élection. D'ailleurs, nous revendiquons la construction d'un État progressiste et moderne. Nous croyons que c'est à travers les élections pour nous présenter le projet de société que nous gagnons, qui est un projet de société qui incarne l'idéal désaligné, un projet de société qui axé sur la justice sociale, sur la fraternité, sur la solidarité, sur le bien-être collectif. Donc, nous croyons que c'est à travers l'élection pour nous investir espace pouvoir et pour nous moraliser la vie politique en Haïti, pour nous sincériser la vie politique en Haïti et pour nous doter l'État de yon leadership éclairé. Mais en plus, je t'ai parlé à M. Fett dans le pays, M. Leisson, mais pas amené de côté, aussi même pas bien ça comme résultat. Je dis à là, qui engage mon acteur dans le plan, pour que je t'ai parlé que le plan se passe pour moi, je ne pas faire perdre du piston. D'abord, il faut qu'il y ait une conscience. Il faut bien d'abord une conscience, la caille. Tout acteur que le pays est arrivé dans un niveau, crise haïtienne est arrivée dans la plafonie, et que aucun monde pas qu'apparaître tête comme sauveur. Pas aucun monde qui sauve son pays là. Aucun monde. Aucun monde n'a pas besoin de paraître. Les peuples haïtiens pas prendre. Les peuples haïtiens pas prendre dans tout le monde encore. Nous tous voyons comment les peuples haïtiens grand monde. Les peuples haïtiens grand pile maturité. Après l'assassinat de Jovenel Moïse, monde qui cococtait. Groupe qui cococtait un assassinat
Jovenel Moïse, il pensait que le peuple après la rue pour faire des choucages. Donc le coup est raté. C'est ça que fait. Il faut acteurs politiques, acteurs dans le secteur économique, représentants université, l'État, acteurs dans tout toute confession religieuse, la jeunesse, surtout acteurs, il faut que tirer exemple de comportement, il faut que tirer leçon de comportement peuple haïtien. Peuple haïtien, c'est sûr que la suite là. Et si acteurs, pas pour conscience, pour changer comportement, peuple haïtien a baillé tête li justice. Parfait. La et nous-mêmes, parti Prosper, parti plateforme nationale, secteur populaire haïtien, c'est dans le camp peuple à nous. Et nous paraît pour nous accompagner le peuple là, pour le peuple à joindre justice. Pourquoi le Prosper, tu es mourant dans le confinement ça, avec ça, le protocole d'entente. Et le protocole d'entente qui t'a pas conduit, le président Sénat, et Joseph Lambert, qui t'a le président provisoire, ça qui va. Ça parle de toute la réalité, et jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire. Et dans toute intervention qu'on fait après l'assassinat du président, on a demandé pour que le Sénat, et sinon le secrétariat, pour le prendre leadership question. Nous toujours entrer dans la logique ça, mais nous démarquons de ça. Et, parti plus pas quoi dans le protocole d'attente. Parti plus pas quoi dans un accord politique. Enfin. Et nous t'ai toujours dit dans le pays, hein, dans toute intervention, nous yo, position nous est claire. Il y a 11 élus qui sont dans le pays avant 7 juillet. C'était le président Jovenel Moïse avec 10 sénateurs. Nous tous connaissons dans quelles conditions le président Jovenel Moïse tombé. Il était 10 élus. 10 sénateurs, ça y est, ils ont rendez-vous avec l'histoire. 10 sénateurs, ça y est, ils ont pouvoir de convocation. Où est tout le monde qui a fait là? C'est parce que 10 sénateurs, ça y est, pas assumé responsabilité. Parce qu'ils n'ont pas peut-être dépassé. 10 sénateurs ont gagné une responsabilité pour lancer une large concertation, pour inviter tout secteur qui pourrait permettre nous d'arriver à un consensus historique, capable d'un accord politique largement large. Et c'est à quoi politique ça qui pourra déterminer comment bien assurer la continuité de l'État jusqu'à rétablir l'ordre républicain. Mais chaque à quoi politique ça, largement là ça, d'ailleurs, 10 sénateurs ça a un rôle pour jouer parce que ces 10 sénateurs ça qui gagnent. Dans la minute, on a parlé là pour voir le peuple là. Mais dans chaque groupe, il y a un ministre par eux, peut-être le président par eux, le premier ministre par eux. Est-ce que ça va faciliter le consensus qu'on a parlé là? Chaque groupe, il y a un groupe, c'est bon ça, c'est pas bon ça, c'est ça que vous faites. Est-ce que ça va déranger le consensus qu'on a parlé? Je ne peux pas me dire, c'est génial. Quel problème au monde qui a gagné avec le sénateur Lambert? Sénateur Lambert, c'est un politicien haïtien qui a pile élégance politique. Son politicien haïtien qui a parlé à tout le monde. Mais je dis, on prend ou mettez le palais national son accord politique, l'âme large, ou tombe dans la crise pirate. Mais ça peut être difficile à voir, quoi, politique là. De toute façon,
démocrate convaincu. Dit tout démocrate convaincu. Tout démocrate convaincu. C'est pas pour nous qui parle de démocratie ici, mais pas forcément de démocrate. Tout démocrate convaincu, comme Dieu donne l'Hérisson, comme Saginio, comme Joseph Lemaire, comme Ariel Henry, pour me citer ça, yo, seulement, doit comprendre, je dis, sans un accord politique, largement large, incluant tous les secteurs de la vie nationale, nous pourrons tomber dans des brigandages politiques qui sont capables de conduire nous vers une catastrophe politique et qui a mené nous vers l'effondrement de ce pays. Pour contribution comme Premier ministre, Ariel Henry, capable de vivre, capable de péter, nous voir à quoi ça. Moi-même, moi crois, le docteur Ariel Henry, bien que dans le montage gouvernement là, il quittait influencé par des acteurs politiques traditionnels, qui fait gouvernement là. Pas inclusif. Je dis à Dr. Ariel Henry une responsabilité historique pour faire marcher contre avec 10 sénateurs chrétiens pour le rencontrer pour faire marcher contre à tout secteur, le secteur économique. Les confessions religieuses, l'université, la société civile, pour lui, elles font marcher contre eux. Nous changer, nous quoi, dans même émission ça, parti plus pas demander de faire président pour la font marcher contre eux. Parti de faire malheureusement. Qui pas privé fait et que c'est marché contre ça qui pas privé fait, qui pas privé fait, qui fait nous connaître situation douloureuse que le peuple haïtien connaît le 7 juillet. Nous exhorter le Premier ministre, Dr. Ariel Henry. Pour tendre, pour faire marcher contre, pour rencontrer 10 sénateurs et nous inviter président du Sénat, le sénateur Joseph Lambert, pour le faire pour le faire marcher contre avec Ariel Henry, pour aller rencontrer tout l'autre secteur dans le pays, pour lancer dialogue largement large là. Mais nous garantis, ce n'est pas les Américains qui ont fini résoudre la crise haïtienne. Ce n'est pas les Canadiens, ce n'est pas les Français, ce n'est pas les Dominicains. La résolution de la crise haïtienne doit passer uniquement par un dialogue inter-haïtien. Pour vivre des contentieux historiques, nous avons des contentieux historiques, nous avons des contentieux politiques, il faut les vider. Et si Dr. Ariel Henry pas attendre la raison pour faire marcher contre elle que parti ne pense pas Mandela là la tombe dans la poubelle l'histoire si 10 sénateurs pas comprendre aujourd'hui
Vous avez rendez-vous avec l'histoire. Comme 10 élus qui demandent à peuple à la main. C'est le moment plus que jamais pour montrer que vous êtes à la hauteur de responsabilité que le peuple a été baillé. Nous allons faire une proposition. On a des groupes au niveau de la société civile qui nous fait des propositions. Nous parlons d'un conseil national de transition qui a une dizaine de membres et nous ne savons pas le lien pour le travail. Et nous avons sorti dans plusieurs secteurs, pour préciser ça. Et nous ne savons pas le lien pour le travail, personnalité ça, sous choix, président provisoire et premier ministre, parce que quoi que, il faut avoir deux têtes au niveau de l'exécutif. Une proposition comme ça, ne pense pas parole bien, ou bien l'arrière avant, ou bien le qualité approfondie. Parti ne pense pas quoi. Toute proposition ça doit être déposée sous table dialogue. Sous table dialogue inter-haïtien. Je dis, nous avons une société qui fonctionne à l'envers. La société civile, je dis, tellement gagné des lacunes dans le secteur politique là. Acteurs qui dans la société civile, ils ont voulu prendre place acteurs qui dans le secteur politique là. C'est ça fait. Dialogue inter-haïtien est fondamental. Pour tout acteur, en un dialogue là, rester dans l'initio pendant que tout a déposé proposition que vous gagnez sous table dialogue. Moi, je suis dans l'initio, mais là-bas, là-bas, c'est mal, c'est tout le monde qui paye les conséquences. Et c'est ça que fait chaque monde veut pour au moins changer, et nous voir au bas qui est intéressant. Chaque monde pas qu'à vouloir pour bagarre la fête dans ce sens-là. Il faut que nous tous mettons d'accord sur un bagaille qui nous est bon pour payer. Mais ce n'est pas un bagage qui nous est bon pour un secteur. Ce n'est pas un bagage qui nous est bon pour un clan politique. C'est ça que fait nous, dans le parti, n'est-ce pas, comme parti qui s'est pionnier de la doctrine et équilibriste politique en Haïti. Nous croyons que aujourd'hui, c'est rassembler toute bonne idée, c'est rassembler tout bon projet pour faire un gros projet, un méga projet. Justement pour nous capables de construire une nouvelle Haïti sous 25 ans, sous 50 ans. Pour ce jour de l'élection, parmi ces majeurs joueurs, parti politique, n'est-ce pas? Nous sommes contents de parler avec vous maintenant. Merci à tous. Bonjour, à bientôt. C'est moi-même qui pour remercier vous, Serginio. Dernier moment, nous, quoi que je dis, pays-nous tomber dans la confusion la plus totale. Après l'assassinat du président Jovenel Moïse, personne ne peut crier, dit vous gagnez. Personne ne peut dire tout, il y a qui perdent. Je dis là, pas mandé acteurs politiques, société civile, secteur religieux, l'université, secteur économique, pour adhérer, pour choisir adhérer pour une fois à un parti politique qui est le Haïti. Et pour nous mettre tête ensemble à travers un dialogue inter-haïtien pour nous sauver Haïti, pour nous sauver le peuple haïtien. Merci. Voilà, bienvenue à l'émission, le 1 place pas, parti politique, plateforme nationale, secteur populaire haïtien. C'est avec lui, nous avons battu bouche jeudi à la mise au point. Tout avec nous dans la matinée, nous souhaitons passer une très bonne journée, si c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Voilà. Et merci avec tout le monde qui débranché. Écoutez, cap, attendez
dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.